est mon fric, Charlie? Je l'ai, ton fric, mon pote, il est là devant. Tu viens le. Quand tu. Bill, je t'entends plus. Charlie, allô? Je comprends rien à ce que tu dis. Comment elle était? Comme boxeur? Charlie, c'était une star, numéro 2 mondial. Mais très vite, les combats ont changé. Je viens avec toi. Sûrement pas. Ou je viens avec toi, ou tu vas chercher tes clés dans les égouts. Oh, ah, la vache, on a eu super chaud. Non. Voilà. Tête de mule. On n'est pas dans un jeu vidéo. Là, c'est pour de vrai. Oh. On va se faire un max de blé. J'ai besoin d'une avance. Franchement, je t'aime bien, vieux. Mais je parierais pas un dollar sur toi. Abandonne, Charlie. T'as plus rien, c'est fini. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout ce qui peut servir à construire un robot de combat. Je crois que c'est plutôt un robot entier. J'en ai jamais vu des comme ça. On peut le faire combattre? C'est un robot d'entraînement. Il est conçu pour encaisser les coups, pas pour coller des raclés aux autres. Son nom, c'est Atom. Fais-le combattre. T'es conscient qu'on va le ramener en pièces détachées? Wow. Il est plus petit et plus faible, il va se faire exploser. Apprends-lui à boxer. Tu rigoles? Le combat, toi, tu connais ça par cœur. Il faut qu'il bouge comme toi, qu'il pense comme non, toi. Non, ça marchera jamais. Je sais que ça marchera. J'ai tout fait de travers avec ce gamin. Pour une fois, je voudrais faire quelque chose de bien. Ouais. 25 dollars dessus. Retenez bien son nom, Atom. Un robot à suivre de près. J'essaie de me dire que t'as aussi des bons côtés, Charlie. C'est pas évident. Max, c'est le moment de vérité. On n'a aucune chance de gagner, pas vrai? Au revoir.